mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Moroland TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi. Aujourd'hui nous avons avec le Procasef lancé le projet cadastre et sécurisation foncière Procasef à Moroland. Et nous rendons grâce au bon Dieu, mais nous remercions aussi l'État du Sénégal qui est à l'initiative de ce grand projet, donc qui va accompagner les communes du Sénégal pour mieux gérer le foncier. Je pense que c'est très important pour nous, parce que avant nous, on a toujours revendiqué, en tout cas, ou bien demandé qu'il y ait un cadastre rural. Parce que souvent, on met en place des commissions domaniales qui n'ont pas forcément la technicité nécessaire pour gérer le foncier. Mais avec le Procasef, nous pensons que les choses maintenant vont aller beaucoup mieux. Maintenant, je pense qu'on n'a plus le droit à l'erreur, parce que maintenant, on a quand même à côté de nous un projet qui va quand même nous aider à mieux gérer le foncier pour éviter certaines erreurs qui se faisaient, soit les doubles emplois ou bien toucher le titre minier ou bien en tout cas toucher la forêt classée. Je pense que tout ça, on espère que ça va, c'est fini, c'est dans le passé maintenant. Maintenant, ça va nous aider aussi à mieux avoir une idée de notre territoire, de notre terroir, parce que après cela aussi, il y aura on va renouveler, on va donc mettre à jour notre POAS, c'est le plan d'occupation et d'affectation des sols. Nous sommes en train aussi de faire un schéma d'aménagement communal. Tout ça, donc, on va mettre ça en œuvre pour que la commune de Moroland soit mieux gérée de façon, du point de vue foncier, pour que, en tout cas, le développement se poursuive. Merci beaucoup. Je m'appelle Omar Cherli, donc je suis expert foncier et le chef de mission adjoint de la GRAB de Grand Dakar. La GRAB de Grand Dakar, c'est l'officier foncier de la GRAB de Grand Dakar, devrais-je dire, qui représente en quelque sorte le Procasef au niveau donc, de cette GRAB. La GRAB de Grand Dakar est une GRAB qui est composée donc, de 16 communes de la région de Thiès, plus 4 communes de la région de Dakar. Donc ça fait 20 communes dans lesquelles donc, l'officier foncier de GRAB de Grand Dakar intervient dans le cadre du Procasef. Le Procasef, c'est un projet cadastre sécurisation foncière, un projet de l'État du Sénégal, mais qui est financé par la Banque mondiale, en vue de la sécurisation et de la gouvernance foncière donc, au Sénégal. Donc, pour la sécurisation foncière de notre GRAP, nous intervenons donc dans ces 20 communes dont je viens de parler, en vue de sécuriser tous les ayants droit qui se trouvent dans une assiette foncière et qui ne sort pas donc du domaine national. Nous y intervenons pour aider donc ces ayants droit à sécuriser donc leur assiette foncière. Ensuite de là, vous comprendrez donc que notre mission, c'est une fois qu'on aura pu donc cartographier l'ensemble donc des ayants droit qui se trouvent dans la GRAP de Grand Dakar, il urge donc de trouver des solutions pour aider ces derniers à trouver donc des moyens de sécuriser le foncier, parce qu'on est conscient que le foncier africain, notamment le foncier sénégalais, est un foncier d'héritage et que la plupart donc des ayants droit ou des détenteurs de ces terres n'ont pas de titre de sécurisation foncière, et cela constitue un danger public, un risque de litige foncier. On sait qu'il y a beaucoup de litiges fonciers chez nous, donc il est important selon Procasef d'aider donc ces ayants droit à sécuriser leurs assiettes foncières. En quoi faisant? Dans un premier temps, en essayant de cartographier et de retrouver toutes les personnes, que ce soit des personnes physiques ou personnes morales, qui se trouvent dans ces assiettes foncières en collaboration donc avec les mairies, donc avec les communes donc, qui ont la compétence territoriale donc de ces zones géographiques, mais également en collaboration avec le cadastre et tous les services de l'État, notamment les services du domaine, pour essayer de trouver donc des numéros d'identification cadastrale à ces détenteurs donc d'assiettes foncières. Ce numéro est une belle nouveauté, si vous voulez, parce qu'il y a peut-être il y en avait, mais du point de vue donc de Procasef, c'est un numéro qui va être étendu dans tout le territoire donc du Procasef. Si je dis territoire, je parle du territoire du projet, parce que vous savez que Procasef intervient dans 138 communes du Sénégal, et ce dans 5 GRAP donc qui ont été constituées, notamment la GRAP de la vallée du fleuve Sénégal, la GRAP de Casamance, du bassin Arachiguier, du Ferlo et la GRAP du Boundou, et également la GRAP de Grand Dakar que nous gérons. Donc grosso modo, dans cette GRAP d'où nous intervenons, nous en avons 20 communes, essayer donc de trouver, donc à sécuriser leurs terres, des endroits. Mais en même temps,
accompagner les communes aussi, parce que les communes ont besoin d'avoir donc des plans de gestion et des outils de gestion de l'espace, notamment des plans d'occupation et d'affectation des sols pour ce qui est des communes rurales. Mais pour ce qui est des communes urbaines ou périurbaines, on est en train de réfléchir de voir est-ce que c'est pas le ESKDT qui serait plus adapté, donc schéma d'aménagement et de développement territorial, donc outiller donc ces communes en plan de gestion donc de l'espace, mais également accompagner les communes à avoir une cartographie de toute la commune, également déterminer les zones de vocation, mais en même temps accompagner les communes à mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, que ce soit des plaintes qui sont nées donc des litiges ou des plaintes mineures qui sont nées du projet, comment trouver donc des moyens et des outils pour essayer donc d'éradiquer toutes ces plaintes qui sont nées donc du projet. Ce mécanisme aura donc plusieurs niveaux. Il y aura un mécanisme qui sera du niveau national, donc jusqu'au niveau, ou, si vous voulez, je fais l'inverse, de la base au niveau national. Donc dans les communes, dans les villages et dans les intervillages, il y aura un comité des sages qui n'a pas été résolu. Donc là, on monte à un niveau encore beaucoup plus supérieur cette fois-ci, au niveau donc de la région avec le gouverneur, pour essayer toujours de résoudre la plainte, et ainsi de suite jusqu'au niveau national. Et ce n'est que lorsque toutes ces voies de recours auront été épuisées que cette fois-ci on va donc peut-être aller à la justice pour écouter, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc ce comité, sa vulgarisation, sa formation également fait partie de notre mandat. Donc notre mandat pour la commune, c'est également de gérer toutes les plaintes qui sont nées. Donc, et en même temps, faire des formations pour certaines autorités, pour certaines entités, pour certains représentants, donc inclusive donc de la commune, essayer de les former dans le MOSEF, qui est un manuel opérationnel de sécurisation foncière, essayer de les former dans le mécanisme de gestion des plaintes, les former dans le PES, donc plan donc environnemental et sauvegarde sociale, essayer de former donc toutes ces autorités également dans tout ce qui est VBG, violence basée sur le genre, et ainsi de suite. Donc ce sera également une des parties de notre mission. Grosso modo, voilà ce que nous sommes appelés à faire. Au-delà de sécuriser les populations, c'est d'accompagner aussi la mairie à régler tout ce qui est litige foncier, mais également à sécuriser tout le foncier, mais également appuyer la gouvernance foncière pour une bonne gestion de l'assiette foncière de la commune. Donc ici à Morolan, nous sommes venus ici pour essayer donc dans le même sillage. Vous savez que Morolan fait partie de nos 20 communes d'intervention. Certes, Morolan ne fait pas partie des communes pilotes, mais après la phase pilote, bien même avant la fin de la phase pilote, nous avons dit qu'il est temps également de se déployer à Morolan pour continuer cette même activité. Dans un premier temps, il s'agira de faire les assemblées villageoises, les assemblées communales d'abord, avec l'ensemble des chefs de village représentés. Mais une fois qu'on aura fini cette assemblée où les informations, communication, sensibilisation seront bien passées, il sera maintenant, il y aura lieu en tout cas de descendre au niveau des zones, s'il y a des zones donc par grappe, mais ensuite aller jusqu'au village pour essayer de vulgariser toute la communication, sensibiliser tout le monde sur le projet. Ça, c'est la première phase. Après cela, nous serons appelés cette fois-ci à faire vraiment les enquêtes systématiques. Et là, nous avons amené nos enquêteurs, nous avons amené nos superviseurs et les opérateurs CIF qui vont être accompagnés donc des experts, mais également de toute la mission en tout cas, pour essayer de cartographier la zone, mais surtout de faire les enquêtes par personne physique ou personne morale, donc faire les levées topographiques, faire le parcellaire, faire les enquêtes socio-foncières, en vue de déterminer toutes ces personnes qui devraient bénéficier d'un ICAD. Une fois que les enquêtes auront été épuisées, donc après le travail technique qui devra être fait, qui va accompagner ces enquêtes, nous allons déterminer les dossiers qui sont vraiment bons, après vérification avec nos géomètres agréés, nos experts en système d'information foncière. Ces données seront donc amenées au niveau du CADAS pour essayer de trouver à toute la population qui aurait vraiment subi ces opérations foncières à obtenir un numéro d'identification cadastrale. Donc pour Morolan, c'est ça qu'on va faire. Mais après cette phase, ou bien parallèlement, systématiquement, nous allons également entamer des plans d'occupation et d'affectation des sols pour Morolan et même de mettre en place, installer donc le comité des sages pour la gestion des plaintes qui seront nées du projet à Morolan. Mais en même temps, à Morolan, les formations également vont être entamées pour permettre aux autorités de pouvoir s'approprier un minimum quand même de renforcement de capacité dans le foncier. C'est bon.